Bonjour. Hello. Sais-tu quelle saison nous sommes? Do you know which season it is? C'est le printemps. It is spring. Et au printemps, when it is springtime, il y a beaucoup de... Beaucoup de soleil. Oui. Il y a beaucoup de soleil. Lots of sun. Il était temps. Mais il y a aussi beaucoup de... Il y a aussi beaucoup de fleurs. Also, lots of flowers. Ça sent bon. Tu crois que je peux les manger? Tu veux manger les fleurs? You want to eat the flowers? Mais les fleurs, c'est pas pour manger, hein? You can't eat flowers. Ok, je vais trouver autre chose. Bon, aujourd'hui, today, j'aimerais te montrer un bricolage très facile sur les fleurs. I would like to show you a super easy craft about flowers. On y va. Let's go. Alors, pour faire ce bricolage, in order to create that craft, tu as besoin de 5 objets. 5 objects. Les voici. Here they are. Des ciseaux, scissors, de la colle, glue, du papier vert, green paper, une feuille à colorier, a coloring sheet, and finally, you will need, et en dernier, tu auras besoin de coloring pencils, des crayons de couleur. Étape 1, step 1, tu vas colorier 2 feuilles et une fleur. You're gonna color 2 leaves and 1 flower. Alors, tu peux choisir les couleurs que tu veux pour colorier la fleur. You can choose any color you want to color the flower. Regarde. Have a look. Étape 2. Step 2. Tu découpes la fleur et les feuilles. You cut the flower and the leaves. Comme ça. Just like that. Attention, watch out. Assure-toi de laisser un peu de blanc au bout de la feuille. Make sure to leave a little bit of white paper at the end of your leaf. Et voilà, la fleur, les feuilles, the flower, the leaves. Étape 3. Step 3. Tu vas découper 2 lignes sur ton papier vert. You're gonna cut 2 lines on your green paper. Une fois que tu as découpé les 2 bandes, once you cut the 2 stripes, on passe à l'étape 4. Let's go to step 4. This is my favorite step. Pour l'étape 4, for step 4, tu prends, you take, la colle, glue, et tu viens coller les 2 bandes comme ça. Et maintenant, now, tu vas plier les 2 feuilles de papier comme ça. You're gonna fold the 2 stripes of paper just like that. Regarde. Have a look. 1, 2. 1, 2. Et voilà. Tu n'as plus qu'un petit carré. All you have now is a little square. Mais regarde, have a look at this. Et voilà, tu as les 3 parties de ta fleur. You have the 3 parts of your flower now. Les feuilles, leaves,
Les pétales. Petals. Wow. Et la tige. The stem. Ok, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Bonne question. That is a great question. Merci. L'étape suivante. Next step. On va tout assembler. You put everything together. Avec la colle. With the glue. On y va. Pour les feuilles, for the leaves, tu mets de la colle sur la partie blanche. You put glue only on the white part. Comme ça, just like that. Une fleur. A nice little flower. Si tu veux, if you want, tu peux colorier les autres fleurs. You can color the other flowers. Et créer ton propre jardin en papier. And you can create your own little garden made out of paper. Comme ça. Regarde. Pétales, the petals, les feuilles, the leaves, les tiges, the stems. Et hop, et voilà. Le jardin, the garden. Wow. Regarde, le jardin des fleurs, the garden of flowers. Coucou. Oh. Hein? Wow. T'as fait ça tout seul? Oui, c'est un portrait de moi. Est-ce qu'on le met sur la carte? Ce serait super. Ok. On va le mettre dans le jardin. Let's put him in the garden. Hey! Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. We're done for today. On se voit la prochaine fois pour une autre leçon de français. I'll see you next time for another French lesson. Au revoir. Bye bye.